La news! L'actu des entreprises étudiantes, c'est la news des mois de janvier et de février. En ce début d'année 2023, les cafés de l'ISC ont vu le jour. Partage, échange et discussion autour des activités des entreprises étudiantes avec le staff de l'école. Comme chaque année, une semaine dédiée à l'apprentissage a eu lieu sur les deux campus de l'ISC Paris à l'occasion de la Journée mondiale de l'éducation de l'UNESCO. Ce fut l'occasion de retrouver le Festival des films des entreprises étudiantes, mention spéciale au BDA et à Humane qui ont remporté deux prix à Paris. Le don de sang! Un événement qui a permis de réunir les étudiants mais également le staff de l'école autour d'une magnifique cause qui est donner son sang grâce au Rotary et à la Fédération Française du Sang. Focus humanitaire et ce mois-ci, un mois chargé car elles ont toutes les deux réalisé leurs deux plus gros événements de l'année. Sing for M, la cinquième édition du fameux concert caritatif d'aide mondiale a connu un nouveau affreux succès à La Cigale. Il va permettre de parrainer plus de 1000 enfants, un retour bien mérité après 3 ans d'absence dû au Covid. Human Comedy Club pour la 15e édition, il a eu lieu aux Folies Bergères et on a vu plus de 1500 personnes dans la salle, ce qui va permettre aux enfants de partir en vacances. L'actu en bref! La clé, une soirée au pied de la Tour Eiffel parce qu'on kiffe nos Erasmus! Repas, cette année on aime vous nourrir, vous avez pu le voir avec les repas BDE comme la Chandeleur ou le Nouvel An Chinois, mais encore la raclette du BDS, les Sushi Network ou alors les buffets de Cosmopol à l'occasion de la Semaine Internationale. Comptez sur nous, on vous laissera pas sur votre faim! Saint-Valentin, à l'occasion de la fête des amoureux, ce sont le BDE, le BDA et Motors qui se sont réunis pour propager leur amour dans les couloirs de l'ISC. C'est trop mignon! Parce que l'amour se vit mis en musique, le Juice nous a concocté une playlist des plus mielleuses. Studio, nouveau concept de la part de nos fashion, un thème, une tenue, un gagnant. Aide Mondiale continue ses récoltes de vêtements et aide toujours plus de monde lors de ses maraudes. Troisième mi-temps, le BDS nous permet de retourner voir les matchs du Racing 92 et on va pas se mentir, on n'y va pas que pour le sport. Ski Trip, notre piou-piou préféré, a réussi à descendre la piste noire la plus longue d'Europe à l'Alpe d'Huez. Et nouveauté ! Réouverture tant attendue, la cafétéria fait son grand retour, venez déguster les nombreux plats qui y sont proposés. Félicitations à l'ISC Network pour le lancement de leur toute nouvelle application web, disponible sur tous vos appareils. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt !